Bonjour à toutes, bienvenue sur Event News TV. D'un mandat présidentiel sollicité par Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien est aujourd'hui à son deuxième. Mieux ou pire, c'est selon, il sollicite un troisième, voire un quatrième. Event News TV est allé aujourd'hui à la rencontre des populations ivoiriennes pour les écouter se prononcer sur cet éventuel mandat du président Alassane Ouattara. Là, on peut encore lui apporter des chances pour en tout cas achever ses travaux si possible. Voilà, le pouvoir, c'est pas pour venir s'amuser et puis voilà, partir. Lui, il veut s'amuser, partir. Mais c'est le travail. En tout cas, on voit le travail qui est venu aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc, on aimerait, si possible, lui apporter des chances. Troisième mandat là, je dis que le pays souffre. Parce que pour le moment, tout est cher sur le marché, on ne peut rien faire. Rien ne va, il n'y a pas de travail, on souffre. Tu as 10 pans, tu as la maison, tu gères ta vie, tu gères les enfants. Tu vas ici, on dit, on va te rappeler. Bon, tu fais un an, on te dit un mot. Bon, moi, j'ai trouvé que bon, il n'a qu'à répondre ce côté-là. Vous voyez, franchement, je suis très nous sommes à la maison. Donc, ça va arriver. Mais nous les Ivoiriens, nous voulons seulement que Ouattara se soucie d'abord de nous, de la jeunesse d'abord, le développement bien sûr, de la jeunesse d'abord, de l'infrastructure, qui vont quand même nous amener le développement d'abord. C'est tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les débats ne nous intéressent plus. Nous voulons voir le concret. Ce que les politiciens disent, c'est ce que nous voulons voir. C'est pas du fait de faire 1000 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir qui nous intéresse. On peut faire un an et puis faire beaucoup. On peut faire 10 ans et rien faire. Ça dépend des premiers mots que la lettre du président sera sur la chute. Quand je l'ai dit, je dis que je préfère 5 ans chez moi. Tu dois me donner 5 ans. Si 5 ans est fini, ça lui suffit. Donc actuellement, tout le monde sont là à aller actuellement. C'est ça. Mais s'il a changé, ça dépend de lui. La maison même, on peut changer la porte. S'il avait décidé de changer, je suis candidat. C'est tout chez moi qui connaît ça. Je ne peux pas se blesser, mais à sa place. Celui qui est président, il voit tout ce qui se passe en ville. Lui aussi, il a des échos, il entend. Bon, on a voulu l'accepter parce que déjà, il est devenu le président de la République. Tout ce qu'il dit, tout le monde va le changer. Parce qu'il est en train de travailler. Même sa décision est changée, ça change à propos de son travail. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est trop. On ne sait pas que la sang va travailler faire ça. Mais il est en train de faire de plus encore. Le pays l'aime aujourd'hui. Donc sinon, au départ, les gens ne voulaient pas accepter. Aujourd'hui, les gens sont derrière lui. Pour que les gens, alors il n'a qu'à travailler encore de plus. La Côte d'Ivoire est devenue Amérique maintenant. Mais ça dépend des saletés qui sont en ville, s'il a pu ramasser. Le pays est propre. On veut un président qui travaille. Rien avant son plan, on n'a pas d'argent, c'est difficile. La jeunesse souffre aujourd'hui. Les enfants, même dehors, même
sont touchés, qui n'ont pas de parents, des enfants, même des gamins, même en train de monter dehors. Voilà. Donc, il n'y a pas d'avancement au niveau de la jeunesse, mais c'est difficile. Voilà. Tout ce qu'il avait dit, même là, franchement, moi, voici, je ne vois pas s'avancer. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec le troisième gouvernement. Je ne suis pas d'accord. Il laisse la place aux autres. Le président aussi, ce qu'il aussi il est passé, on a vu ce qu'il a fait. On n'a rien contre lui, nous sommes personne, on n'a rien contre lui, mais on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Pourquoi moi je ne peux pas? Beaucoup d'hommes même. C'est fait. Donc je pense que M. Ouattara qui se desservisse pour renoncer à ce troisième mandat. Si vraiment il respecte la constitution, il va aller renoncer à ce mandat. Ce n'est pas une bonne idée pour nous. Tout ce que nous avons vécu depuis 2001, avec la crise, pour retrouver dans une autre crise, vraiment les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter une autre crise. Donc comme 2020 est encore loin, au moment opportun, les deux présidents, Bédier et le président Lassalle, on trouve la paix, la stabilité en Afrique. Parce que nous sommes fatigués. De guerre en guerre, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Pour ne pas les vivre. Donc vraiment, je pense que pour cette question n'est pas d'actualité. Depuis 2020, il reste au moins 24, 25 mois. Donc vraiment, ou bien, au fil du temps aussi, chacun va mettre l'eau dans son pain. Voir le candidat qui peut continuer à stabiliser la Côte d'Ivoire. Un démocrate, c'est celui qui vient. Après, comme il a suivi la constitution, si la constitution lui demande de faire deux mandats, et après deux mandats, s'il veut la paix, ou bien s'il veut le bien pour le pays. Au profit des nôtres. Ce qu'on appelle la démocratie. Et puis c'est la démocratie qui est la base. Et on doit entraîner aussi. C'est à la base aussi du développement. Donc si nous voulons bien le développement dans notre pays, si nous voulons qu'on soit prospère, nous devons écarter cette idée de se maintenir au pouvoir pendant plusieurs décennies. La stabilité de la Côte d'Ivoire, avec les différents acteurs qui souhaiteraient que ce troisième mandat soit accepté par la population. Vraiment, pour faire un mandat du président Ado, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Parce que M. le président Ado n'a rien à prouver encore. Ce n'est pas un troisième mandat qui va faire que ouais, Ado va être le super, il tout bien. Sinon, actuellement, il n'a rien à prouver à la Côte d'Ivoire. Le président international et national savent que non, les deux mandats suffisent déjà à Ado. Donc, il laisse la place à la jeunesse pour essayer de faire évoluer en politique. Parce que Ado a déjà fait. On n'a pas besoin encore qu'il fasse un troisième mandat ou quatrième mandat pour qu'on sache que non, c'est un homme. Ado est un homme fort, on reconnaît ça. Mais qu'il laisse la place aussi. Et puis, aux jeunes que nous avons essayé de diriger. C'est ce que j'aimerais. Thank you.